Je m'appelle Mathieu Moreau, je suis dessinateur du cycle Denis Bierich. J'ai 26 ans et ça fait maintenant 3 ans que je fais de la bande dessinée. Il savait que j'aimais bien tout ce qui était SF et puis les ambiances maya. Donc du coup, il avait ça sous la main, il m'a dit viens. J'ai lu le scénario, on l'a présenté à Glénat et puis ça l'a fait. Donc on a enchaîné sur le projet. Bah, ça s'est fait tout naturellement parce que les Mayas, j'adore cette civilisation. Je l'étudie depuis de nombreuses années. C'est vraiment dans le point graphique, dans l'histoire des Mayas, c'est un truc qui me botte, quoi. Depuis tout petit. Après, le style manga dynamique, ça vient de mes références personnelles. J'ai appris à dessiner avec du Dragon Ball, Génération Club Dorothée. Et puis voilà, en fait, ça s'est fait tout naturellement. J'ai jamais voulu avoir un style, mettre dans une case manga, franco-belge ou comics. Mon style est venu naturellement en apprenant le dessin. Depuis que je suis rentré à l'école, dans mon école d'art à Pivot, j'avais une forte influence manga. Puis après, j'ai découvert le franco-belge. Donc il y a quelques auteurs comme Mathieu Loffray, comme Loisel. Il y a quelques graphismes qui m'ont interpellé. Donc je vais récupérer ça. Puis après, dans les comics, côté Mignola avec Hellboy, avec les masses de noirs, je me suis dit ça c'est intéressant. Donc après, j'ai essayé de traiter ça, de me le réapproprier pour le remettre sur papier. Pour l'instant, je ne pense pas avoir non plus mon propre style. Ouais, je suis un peu une éponge et je commence juste à réinterpréter, mais c'est encore tout frais, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on sent toutes ces influences. J'espère évoluer et récupérer le plus d'influences possible. Après, je sais pas si j'aurai un style ancré qui bougera plus, en fait. Ça me fait même un peu peur, en fait. Ça voudrait dire que j'ai plus d'ouverture vers d'autres univers, quoi. Je sais pas. Le deuxième tome sera la fin du premier cycle. Donc c'est une fin, comme tu l'as dit, une fin assez ouverte. Donc on n'a pas fermé les portes. Peut-être qu'on enchaînera sur un autre cycle. Pour l'instant, dans le futur proche, c'est pas le cas. On va passer sur d'autres projets, attendre que ça se repose un peu, tout ce travail. Et peut-être plus tard, ouais. Peut-être revenir. En tout cas, je sais que l'univers, moi, il me botte. J'adore cet univers. J'ai envie de retravailler ces personnages et cette ambiance. Donc pour un nouveau cycle, ouais, ça me plairait bien. Je sais que le scénariste ferme pas les portes non plus d'un second cycle. Donc on va voir. J'ai un projet en cours, je peux pas trop en parler, ça va être de la SF un peu plus old school. Donc avec une petite ambiance steampunk, je pense, je vais essayer d'introduire ça. Donc un peu de métal, un peu de bois et puis dans du futur, très lointain. Je pense que je suis le plus actif sur. Je suis assez actif sur Facebook. J'ai une page, une fan page sur Facebook, facebook.com/MattMoreau. M-A-T-T-M-O-R-O 44 000. Et voilà.